La célébration de cet anniversaire est le suivant. Depuis 8 heures, nous sommes en attente de votre arrivée, très chers invités. Et c'est déjà chose faite. Alors tout à l'heure, nous allons assister à l'arrivée de notre sous-préfet. Faut dire, et c'est un honneur pour moi de tenir le micro ce matin, cette première célébration de la fête de l'indépendance Made in Dapewa. Voilà, cette fête qui appartient proprement à la sous-préfecture de Dapewa depuis l'arrivée de notre sous-préfet. Alors tout à l'heure, nous avons été informés qu'elle est à nos portes, elle va faire son arrivée. Et juste après, elle va faire le passage en revue de troupes qui sera suivi du salut et autour de 10 heures, créateur, maître des temps et des circonstances pour qu'il permette que le temps soit favorable afin que cette cérémonie soit belle. Merci. Didier. Ah ben nous allons tous nous tenir debout pour réserver un accueil. Quand tu veux.
Voilà, nous assistons à l'entrée de Madame le sous-préfet, accompagnée de la sécurité. Voilà. Donc pour moi, sous-préfet de la sous-préfecture de Tapoa. Voilà, et fait son arrivée. Dirigé par le commandant, la troupe, l'adjudant-chef Ndoli Tiemele de la brigade de Puyo. Et les FACI dirigés par le sergent-chef Zézé Jean-Charles. Ovation. Alors nous venons d'assister à la montée du drapeau. Si. Un. Repos. Maker.
à l'instar des autres localités du pays, nous sommes heureux de nous retrouver ici pour célébrer le 61e anniversaire de l'accession de notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'international. Je suis particulièrement heureuse dans la diversité pour célébrer cette date mémorable du 7 août qui marque l'aboutissement de la marche vers sa liberté, sa dignité et son droit indéniable à disposer d'elle-même. Au surplus et en dépit de son caractère solennel et festif, la présente cérémonie doit nous rappeler les liens communs pleins d'espérance. Mesdames et messieurs, après une décennie de pouvoir d'État par le président Alassane Ouattara, notre pays occupe un rang honorable dans le Conseil des Nations. Toutefois, en plus de faire face à la menace terroriste, il subit les impacts négatifs de la crise liée à la pandémie du COVID-19. Les effets socio-économiques de cette crise se ressentent aussi bien au niveau des populations qu'au niveau des entreprises, avec notamment l'augmentation des prix des produits de première nécessité, ce qui ne laisse guère le gouvernement indifférent. Afin de trouver une solution durable à cette situation, des dispositions ont été prises en vue du renforcement du contrôle et de la surveillance des prix. Par ailleurs, je tiens à vous signaler que le virus du COVID-19 est toujours présent avec l'apparition de nouveaux variants. Pour stopper sa propagation, je vous invite à vous faire vacciner et surtout à respecter les mesures barrières étiquetées par les autorités sanitaires. Mesdames et messieurs, en dépit de ces difficultés conjoncturelles, la Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers le développement. Des actions menées par le gouvernement ont permis l'accès à la santé, à la protection sociale, à l'éducation, pour ne citer que celle-là. Pour donc consolider ses acquis, il nous revient à toutes et à tous de nous détourner de tous les actes de nature à perturber la cohésion sociale. Cette commémoration de notre indépendance doit nous pousser à fondamentaux comme le travail, le vivre ensemble, la discipline et l'hospitalité. Mesdames et messieurs, les cadres, les chefs de village, de campement, de communauté et leader d'opinion. C'est à cette mission de votre portée que je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, vous confier pour une sous-préfecture de Dapewa plus attrayante, car notre combat unique et commun est le développement social, économique et culturel. Mesdames et messieurs, c'est sur cet appel au travail, mais surtout au travail bien fait, à la cohésion sociale, au dialogue constructif, que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant une excellente fête d'indépendance. Vive la sous-préfecture de Dapewa, unie, forte et prospère. Vive le département de Bio. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ovation, ovation, ovation. Deux, un. La sortie. Guide à gauche, colonne par un. Une fois à droite à patin. En avant. Un, deux, 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 pour parler, mon frère, la paix, la santé, la cohésion sociale. Pasteur des églises AEC et président du consistoire des églises évangéliques de Dapewa. Aujourd'hui, nous sommes à la célébration des 61 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et nous fêtons cela à double titre.
parce que nous venons de recevoir notre premier sous-préfet à Dedapewa et encore notre libération par rapport à l'indépendance. Nous disons merci à Dieu pour cette occasion. C'est une grâce que nous avons et la présence du sous-préfet va contribuer au développement de notre sous-préfecture, à contribuer à la cohésion sociale et au bien-être de chacun de nous. Nous avons merci à Dieu pour cette célébration qui s'est bien déroulée et aujourd'hui tout le monde est en paix, tout le monde est en joie. Nous remercions aussi au président de la République qui a cette lourde charge de maintenir la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et grâce à cette responsabilité, grâce à cette vie qu'il a, nous bénéficions tous de cela. Merci à Dieu, merci à cette grâce. Qui continue de bénir la Côte d'Ivoire. Continue de bénir Dapewa. Tapez Anatole Didier. Je suis le 3 juillet 1965. Je suis fils de Dapewa. Aujourd'hui, le 7 août. 7 août, merci. Le 7 août, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est un événement. Pour moi, je me dis quoi, aujourd'hui là, nos aïeux même là, ils n'ont pas vu le 7 août ici à Dapewa. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un événement. Donc tellement que je suis ému, mais je n'ai pas un mot encore à dire. Voilà, c'est propre. Sois la bienvenue ici le 7 août. Il nous faut dire, chef de campagne, merci. Concernant la fête de l'indépendance 2021 à Dapewa, je suis tellement fier de venir la participer sans aucun doute. Pourquoi Dapewa, érigé en sous-préfecture, ça me va pour moi à cœur. Pourquoi? Parce que se déplacer, aller à Pio faire les pièces administratives, nous sommes très préoccupés par la route, par le transport, surtout par tous les moyens. Donc, si nous voyons venir une sculpture auprès de ta prévue aviation, une belle vie, je crois bien que c'est la meilleure. C'est cela. Je souhaite la bienvenue au sous-préfet de Dapewa qui nous fera nos cas de vie, nos pièces administratives surtout. J'ai tout ma pensée sur cette fête pour que cette fête soit une réussite totale. Bon, la première fois à Dapewa, dont un sous-préfet a été installé et qui préside aussi cette fête. Donc, ma satisfaction. Et le 7 août, soit bonheur du pays. Amen. Chaque année. Je souhaite que fête août et 7 août soit bonheur du pays chaque année. La Côte d'Ivoire, un pays qui a de tous les bonheurs. Nous demandons que cette bonheur n'accueille toujours en avant. La Côte d'Ivoire aussi, le président de la République, on demande d'aider Nakade de nos longues vies et la santé, pour qu'il puisse visiter la Côte d'Ivoire. La nouvelle sous-préfecture de Dapewa, avec la première sous-préfecture de Mme Diaby, nous souhaitons la souhaiter longue vie et la santé et entendre entre nous. Et voilà. Tous les 10 ans de Dapewa, comme les nous frères BT, ici c'est pour eux. Nous sommes avec eux. C'est eux qui commandent ici. Bon, depuis nous, on est là ici, nous avons nous fait mal. Eux pensent bonheur à nous, nous aussi pensons bonheur à eux. C'est ça qui est entre nous, il n'y a rien comme problème. Voilà, donc c'est ça que voilà la parole que j'ai à vous dire. Donc, on est à la fin, à la gâchine qui est à dame, à Djamana Souma, à Djamana Heré Gidi. Cette route n'a qu'à sans vous en héré. En a comme un courant à la gagne du mobé. Almame nous nous mimbe du gouno connaît à la cambe ben Kilema. Pas d'un mimbe à la cambe Kilema. À la cajamana noya, à la cajamana chuma, à la cambe makoto, à la baramine à la cabarania. Kurvan à la cahere guiri. Kurvan à la cajanya, cambe Kilema, Kandia Yoway, Mille Fanafé, ou des gens de vous. Nous, les présidents des jeux, on va se retrouver. Voilà.
Thank you.
papa est sage africain, nana. Nana est, 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 nana Fondateur du syndicat école africaine, nana e, au feu panier à bolingo papa e, nana e, nana e, au feu panier à bolingo. Libérateur du peuple africain, eh nana au feu, abolisseur des travaux forcés, nana au feu, nana e, nana e, nana e, nana e, au feu panier à bolingo. Nana au feu panier. Pacificateur, nana au feu, unificateur, nana, 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 Moboto, c'est ce qu'on va faire. Nanae, on fait, nanae, nanae, on fait quoi dire à Bolingo. Nana, on fait, encyclopédie de l'Afrique, nanae, nana, on fait, papa, nanae, 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 on fait quoi dire à Bolingo.